Jean Louvois, alors Zoé Tanak, qui aura lieu par quelqu'un qui dit que je suis un prophète, je suis un messager. مثلاً الدجال تحصل على هذه الخوارق ولكن هو لا يدعي النبوة هو يدعي الألوهية فلا يسمى ذلك معجزة يقول الأرض أنبتي فتنبت والسماء أمطري فتمطر يقتل إنسانا يشقه ثم يدعوه إلى عباده هو طبعا ليس هو الذي أحيا الله تعالى هو الذي أحيا لكن هذه الخوارق التي تظهر على يده ليست معجزات لأن هو ما يقول عن نفسه إنه نبي هو يدعي الألوهية وكل أمارات الحدث ظاهرة فيه Alors pour Dajjal, le faux Messie, il y a des événements hors commun, extraordinaires qui apparaissent. Il dit à la terre de faire pousser de l'herbe, ça pousse, il dit à l'océan de faire tomber de l'eau, ça descend de l'eau, et puis quelqu'un il le coupe en deux, puis après il l'appelle et il vient, et Allah Ta'ala lui donne la vie de nouveau. Mais cet homme-là lui dit, je suis plus sûr encore que tu es le faux Messie, tu vois. C'est-à-dire, cet homme-là, il dit, tu es l'homme que le prophète nous a parlé de lui, tu es le faux Messie. Il cherche à le tuer, il n'arrive pas. Alors, ce qui fait le faux Messie, ce n'est pas des miracles. Parce que c'est, même si des actes merveilleux, mais il ne prétend pas qu'il est un prophète. Lui, il prétend qu'il est un Dieu. Et tous les signes qu'il est une créature apparaissent sur lui. Le fait d'être pauvre, le fait qu'il est moche, le fait qu'il est écrit sur son front kafir, le fait qu'il change d'un état à un autre, comme vous voyez, alors tout ça, c'est des signes des créatures. وقوله موافق لدعوى مخرج الخالق الذي يدل على كذبه من ظهر على يده كما يحكي عن مسيلمة أنه وسط في بئر ليعذب ماؤها فصار ملحا أجاجا هذا لا يعني هو قلنا له قالوا له إن البئر مالح لو نفلت به فصار مالحا جدا هذا لا يسمى معجزة لأنه جاء مكذبا لدعوى على غير ما أراد Alors, on a dit l'acte hors commun qui vient à, pour confirmer, pour appuyer ce qu'il prétend. Et en nous, les kuffars lui ont dit de cracher dans l'eau de ce puits pour que l'eau devienne douce. Alors, il est devenu trop salé. Alors, ça, c'est pas un miracle pour lui, parce qu'il rêvait. C'était à l'encontre de ce qu'il voulait. وقوله سالم عن المعارضة بالمثل مخرج للسحر فإن الساحر يعارض الساحر بمثل ما يفعل. Alors, les actes des sorciers, c'est des choses qu'on peut les stopper, qu'on peut faire quelque chose pareil, qu'on peut faire quelque chose plus fort, qu'on peut annuler la magie de celui-là par un autre sorcellerie. Alors ça on ne dit pas c'est des miracles. هذا السحر. السحر يمكن أن يعارض بالمثل. يمكن أن يأتي واحد بسحر أقوى منه لو جمعت السحر يصير واحد يضرب الآخر فهذا لا يسمى معجزة لا سورسيري اون لي نون با ميراك وكثير من السحر يحصل عم نحكي نحن عن اللي بيكون في سحر لأعين الناس فيرون الأمر على غير حقيقته يعني لا سورسيري دون بليزيور كان ساغيف par le fait que les gens voient les choses autre que la réalité. مثلا واحد قال لهم انا اكل هذا العمود عمود الكهرباء. Il y a quelqu'un qui a dit moi je mange ce pilier de l'électricité. Alors il leur a fait la sorcellerie et les gens autour de lui le voyaient en train de manger, de l'avaler. Et quelqu'un qui est loin, il l'a vu en train de grimper. Alors tu vois ceux qui sont à côté ils étaient influencés par la sorcellerie. Ils voyaient qu'il mange, qu'il avale, mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est l'illusion. L'illusion. والتعريف المتقدم هو معنى ما ذكره ابن فورك في الحدود من أنها التي يظهره الله في دار التكليف على خلاف ما أجرى به العادة في أفعاله عند إبانة تصديق رسوله مع مقارنتها للدعوة. Alors, il a dit, Ibn Furak,
C'est quoi les miracles? Il a dit, c'est ce qu'Allah Ta'ala fait apparaître dans le bas monde pour, comme acte hors commun pour appuyer celui qui dit qu'il est un prophète, qu'il est un messager, en confirmant ce qu'il dit, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui le contredit. Hein? Parce qu'on a dit ici, il dit la pierre va témoigner pour moi. Et la pierre a parlé, il a dit tu es menteur. On ne dit pas c'est un miracle parce que ce quoi il a démenti, il était contre lui. Al-Hassan m'a aidé à mon voir, à l'aïwa tahati, bien, et des fois le miracle vient avec un défi, comme la communauté de Thamoud, ils ont dit à leur prophète Saleh, fais sortir une chamelle avec son petit. Et c'était un défi. Allah lui a donné, Allah a fait sortir une chamelle avec son petit. Des fois le miracle arrive sans qu'il y a ce défi. Hein? المعجزات تظهر من غير تحد الماء الذي نبع من أصابع النبي لم يكن مقرونا بالتحدي لو كي جاي بسيطة صلى الله عليه وسلم n'était pas avec défi mais ils ont une fois ils ont demandé au prophète un signe et il a fait signe vers la lune s'est divisée en deux alors ça c'est avec défi voilà des fois c'est les kuffars qui demandent. Et des fois, Allah Ta'ala donne à son messager le miracle, même si les kuffars n'ont pas demandé. وَبِمَعْنَا مَا ذَكَرَهُ الْبَيَضِيُّ فِي إِشَارَاتِ الْمَرَمِ بِقَوْلِهِ الثَّالِثَةُ أَنَّ الْمُعْجِزَةَ فِي الْعُرْفِ أَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ مَقْرُونٌ بِالتَّحَدِّي مَعَدَمُ الْمُعَارَضَةِ Alors, Bayadi l'a défini comme on vient de dire dans son livre إِشَارَاتِ الْمَرَمِ, parmi les grands savants hanafites, il a dit que le miracle, c'est un acte hors commun lié avec le défi et que personne n'arrive à le contrarier. Alors, on m'aura dit que ce n'est pas le défi, c'est comme ça qu'il se passe. Mais ce n'est pas le défi, ce n'est pas toujours le miracle est lié avec le défi. Et le défi, c'est une prière de la mu'ajiza. Alors, si tu veux, il a dit ici ce qui est voulu par le défi, que le fait qu'il prétend, l'homme, il prétend qu'il est un prophète. Et par la suite, Allah Ta'ala lui donne un ou plusieurs miracles. قال أبو الحسن علي بن محمد التميمي الصفار قصي يعني منين هذا من تونس في شرح العقيدة النورية هكذا قال دعوة النبوة المؤيدة بالمعجزة هذا هو التحدي. C'est ce qu'il a dit. حسن علي بن محمد الصفاقس وبهذا تفترق المعجزة عن الإرهاصات التي تحصل للأنبياء قبل نزول الوحي عليهم الأرهاص أمر خارق للعادة يظهر على يد رجل ستكون لهم نبوة من بعد قبل النبوة الله يظهر على يده عجائب الإرهاصات c'est des actes hors commun qui arrivent à certains hommes qui vont être par la suite des prophètes. Le prophète عليه الصلاة والسلام il a dit que il passait à côté de certains arbres, certains pierres, lui adresse le salam en disant Assalamu alayka ya Rasulallah. Il y avait un nuage qui le couvert, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été en Jordanie pour le commerce de Khadija. Il y avait un nuage qui le couvre du soleil. Un jour, il était avec son oncle Abu Talib et il a dit mon neveu, j'ai soif. Et Sayyidina Muhammad est descendu par terre, il a frappé la terre et il lui a donné de l'eau. Il a pris de l'eau et lui a donné. هذا إرهاص هذا إرهاص ما هي الأمر الخارق للعادة الذي يكون قبل البعثة c'est ce qui arrive avant l'envoi avant d'être prophète Allah Ta'ala des fois leur donne des miracles des actes hors commun qu'on les nomme d'Irhas سيدنا عيسى عليه السلام من صغره كان يقول لأصحابه رفقائه أمك خبأتك كذا وكذا. Jésus عليه السلام en étant enfant, il dit à ses camarades, il dit ta mère a préparé pour toi telle chose, elle l'a caché à telle place. Et l'autre il vient, il dit donne-moi telle chose. Mais qui t'a dit? Dit mon ami Jésus. هذا كان قبل النبوة وهو صغير. وبه تختلف عن كرامة الأولياء. الكرامة للولي هي أمر خارق للعادة ولكن لا يدعي صاحبها النبوة ولا يقول عن نفسه أنا نبي حتى كثير من هؤلاء
التي تظهر عليه الكرامة لا يقول أنا ولي، إنما إذا ظهر أمر خارق للعادة لعله يقول هذا من أسرار مشايخي وبركاتي ونحو ذلك ويتهم نفسه بالتقصير. Alors, qu'est-ce qu'un prodige? On dit il y a différence entre miracle et prodige. Parce que l'homme saint, le Dieu, il ne dit pas je suis prophète. Et on a dit dans plusieurs cas, il ne dit pas je suis saint. Parce que vous voyez, ces gens-là, ils sont des grands saints, et lorsqu'ils se mettent avec nous, ils se voient le plus petit, ils se voient derrière. S'il y a quelque chose qui apparaît sur leurs mains, ils disent peut-être c'est la baraka de nos machaïs, ils ne disent pas que c'est moi. Et le cheikh Abdullah nous a parlé d'un homme, d'un saint, d'un grand cheikh dans leur région de l'Éthiopie, que les koufars ont attaqué le village. Ils ont tué beaucoup parmi ceux qui ont tué son élève. Ils l'ont égorgé. Égorgé, c'est-à-dire le sang qui est parti. Et les gens, ils ont dit, on ne le touche pas, on attend son cheikh lorsqu'il arrive. Ben, ils ont dit, voilà, lorsque son cheikh arrive, parce que le cheikh l'aimait beaucoup, il le prenait comme un élève très spécifique. Bref, lorsque le cheikh est venu, il a mis de sa salive sur la gorge, il a dit, bismillah, lève-toi par la volonté de Dieu. Allah l'a ressuscité. Allah l'a ressuscité après sa mort, quelques jours après que le sang est parti. Puis il s'est marié, il a eu des enfants, et les enfants avaient les mêmes traces que lui, parce que c'est comme celui qui a été égorgé, puis a été cousu. On a parlé hier d'un saint en Afrique qui a fait dua pour quelqu'un qui a grandi sur le champ. Il y a un autre qu'on a été vers sa tombe. On lui a dit que telle personne a mis un dépôt à main chez toi et tu es mort et on ne sait pas où tu l'as mis l'argent. Alors il a parlé dans la tombe, il a dit c'est vrai, la mort m'a surpris. La mort est venue surpris, elle est à telle place. Le frère, il a dit viens, venez, on va demander à mon frère dans la tombe. Bref, Sayyidina Omar radiallahu anhu sur le mimbar, il a vu la bataille en Iran. Et il a vu que les koufars, ils se sont cachés derrière les rochers dans les montagnes et ils voulaient que les musulmans traversent quelques endroits. Et les koufars, ils ont reculé. Les musulmans, ils vont croire qu'ils ont pris victoire. Et par la suite, les autres, ils vont venir de derrière. Et Sayyidina Omar a vu. Et ceux qui ont sur le champ n'ont pas vu. Et il a dit depuis la Médine, Ya Sariatul Jabal al-Jabal, Ya Sariatul Jabal al-Jabal, au Sari, il faut que tu montes vers la montagne, à deux reprises. Alors le commandant, il a dit, c'est la voix d'Omar, il me dit de monter vers la montagne, je vais. Alors il a été dans la montagne et il a vu l'embuscade. Et il les a attaqués du haut et il a pris victoire. Et Sayyidina Omar, quand il fait la Médine, ورأى الجيش ورأى العدو كيف خبأ كمين وأرادوا أن يضربوا المسلمين من خلف ظهورهم بعدما يقع بالكمين لكن الله تعالى أيده بهذه الكرامة وغيرها ليس هذا فقط والدكتور شوز لما مر أمام قتلة عثمان سيدنا عمر قال أجد في قلبي أن هؤلاء الناس أبغض الناس إلي. Il a passé un jour vers les gens qui vont tuer Sayyidina Othman après des années, hein, après 10, 20, 15 ans à peu près. Hein. Alors lui, il a dit, mais ces gens-là, je le ressens qu'ils sont le plus détestés parmi les gens que je déteste le plus. Et ces gens-là que Omar a dit, ces gens-là que je déteste le plus parmi les humains, ils étaient les gens qui ont tué Othman. فإن الناقض للعادة قد يظهر على يد الولي لا كرامة له لكنه لا يدعي النبوة كما هو الظاهر بل كرامته معجزة لنبيه Le prodige d'un saint, c'est un miracle pour son prophète parce que ça prouve que son prophète est véridique. في أولياء كانوا في أمة عيسى. Il y avait des saints qui ont suivi عيسى عليه السلام من الحواريين parmi les apôtres. Il y avait des saints. Leur prodige était des miracles pour Jésus. On ne dit pas que c'est des prodiges pour eux, parce que le prophète c'est Isa. Mais tu vois, après, les chrétiens, ils ont attribué à Jésus les divinités et
ont nommé ses élèves messagers. سموا هؤلاء الرسل هم وهو الرسل وسموا الكتب قالوا الأناجيل ليه قالوا les évangiles هو إنجيل نزل على عيسى إنجيل أن révélé à Jésus comme la Torah révélée à Moïse l'Injil révélé à Jésus et c'est lui le prophète messager un être humain sa mère s'appelle Mariam parmi les descendants de Daoud alayhi salam et il n'avait pas de père comme vous connaissez voilà mais il n'était pas Dieu ces gens qui étaient à la base juifs et il a dit ils vont aller au paradis ils vont tuer on va aller à l'enfer je vais détruire cette religion et il a prétendu qu'il s'est répandu et il a attribué à Jésus la divinité et des gens qui l'ont suivi le Bernabé il a lutté contre lui contre ces gens là contre ce groupe mais toujours on a essayé de le mettre à côté jusqu'à que Constantinos le roi de ce qu'on dit Constantinia à l'époque Istanbul aujourd'hui ce roi a soutenu ces gens là parce qu'il les a vus qu'ils sont proches des Romains par leur manière de d'attribuer la divinité à un être humain, de faire des statues, ainsi de suite. Alors, il te faut, qui a fait avant cette Injil, il te faut, pas à l'arbre, parce qu'à cette époque-là, ils ont arrivé à 60 ou 64 Injil, alors ils ont dit, mais c'est trop comme ça. Alors, ils se sont mis d'accord pour 4 et ils ont brûlé le reste. وليس ما سبق من تعبير بعضهم بالتحدي شرطا زائدا على ما ذكره المصنف في حد المعجزة إذ المراد بالتحدي دعوة النبوة كما سبق. Alors on a dit le défi, c'est pas une condition parce que si on dit défi dans la généralité, on dit oui, ça veut dire qu'il dit qu'il est un prophète qu'Allah Ta'ala lui donne un miracle. Voilà. Mais c'est pas une condition que les kuffars lui demandent et par la suite Allah lui donne. C'est possible qu'Allah lui donne des miracles sans que sera un défi avec les kuffar sans que les autres lui demandent. يفهم من مجموع ما تقدم أن كل نبي قد أوتي معجزة أو أكثر. Chaque prophète a eu un miracle ou plus. وهو كذلك كما قال رب تبارك وتعالى في سورة الحديد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات بالبينات بالمعجزات التي تدل على صدقه وإلا الإنسان كيف يعرف النبي من مدعي النبوة؟ Allah Ta'ala a dit dans le hadith, on a envoyé nos messagers avec des miracles, avec des preuves qui appuient leur prétention qu'ils sont des prophètes. وكما جاء في حديث أبي هريرة المرفوع المتفق على صحته ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه من البشر وإنما كان ما أتيت وحيا أوحى الله إلي فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit que, hadith rapporté par Bukhari et Muslim, qu'il n'y a pas un prophète qui n'a pas eu des miracles, c'est-à-dire chacun a eu des miracles, et il y a des gens qui l'ont suivi suite à ça. Mais ce que Allah Ta'ala a donné à Sayyidina Muhammad spécifiquement, c'est quelque chose de révélé, une révélation d'un livre. Et c'est un miracle vu par le cœur, par la raison. C'est pas par les yeux. Par les yeux, tu vois un livre. Tu dis c'est un livre en arabe. Mais pour connaître que c'est un miracle, il faut réfléchir, il faut utiliser la raison. Et là où on utilise la raison, on trouve qu'il y a plus des gens qui adhèrent à ça, qui suivent cela. Et le prophète, il a dit, j'espère que j'aurai plus de monde. Parce que le plus grand miracle du prophète, c'était un miracle qui est vu par le cœur et la raison. وسيدنا أبو بكر ذكركم لما خطب الخطبة وبدأ من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت أبو بكر الصديق lorsqu'on lui a désigné comme calife il a dit celui qui adore Muhammad Muhammad est mort alors celui qui adore Allah Ta'ala Allah Ta'ala est vivant non mort pas c'est-à-dire l'islam continue même si le prophète Muhammad est mort et c'est un être humain comme les autres prophètes avant lui sont morts, lui il va mourir. Mais il a dit une parole, il a dit « وَهَذَا كِتَابُ اللَّهِ فِيكُمْ لَا يُطْفَأُ نُورُهُ وَلَا تَفْنَى عَجَائِبُهُ » Il a dit « Et entre vos mains, il y a le livre de Dieu. C'est un livre
que sa lumière ne sera jamais éteinte et on n'a jamais on soit jamais on s'arrête de voir des choses étonnantes de ce Coran. La tafna ajaïb, mais chaque époque, chaque jour, tu lis et on trouve dans le Coran quelque chose qui est très fort et que ça, les scientifiques dans tous les domaines ont parlé et on trouve dans le Coran quelque chose de très fort à ce sujet. Alors Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, ce grand calife, il a dit, la yutfa'u nuru wa la tafna ajaïb. On n'aura jamais, on cesse de voir des choses étonnantes de ce livre qui est le Coran Karim. وقد يعني النبي عليه الصلاة والسلام زاد على باقي الأنبياء بالكتاب المنزل المعجز والمسيطر على باقي الكتب والذي خصصت به دونه le prophète محمد أيه le grand miracle parmi tous les messagers c'est le Coran Karim. C'est un miracle continuel. Les autres miracles s'est arrêté, mais le Coran Karim est toujours en nos mains. C'est un miracle continuel, c'est le plus grand miracle. Vous savez que le manazal du Coran, quand l'arabe fait un peu parce que le Coran était révélé, les arabes étaient dans le sommet de l'éloquence, la poésie, les très jolis discours, ils mettaient les poésies sur la Kaaba, le Mu'allaqat. Mais lorsqu'ils ont entendu le Coran, ils avaient tous bouche bée. On a dit, si vous dites que c'est un livre d'un être humain, faites comme un chapitre. Comme un chapitre, ils n'ont pas pu. Allah lui a dit, si tous les humains, tous les djinns se réunissent, ne peuvent pas faire comme ce Coran. Et il les a défiés jusqu'à nos jours. Personne. Il y a certains qui ont comme un mouqafas. Certains, c'est un livre Kalila ou Dumna, ou je ne sais pas. Mais ça se voit, c'est un livre à bas niveau, très faible. Ils se sont cachés par la suite, ils ont mis leur tête.